Merci. Ah, ça, c'est de l'entrée. Ça fait plaisir, ça. Bonsoir, Mario et Luigi. Bonsoir. Comment vous appelez-vous pour de vrai? Je m'appelle Ronald. Ronald. Je m'appelle Lolito. Lolito. D'où venez-vous tous les deux? On est colombiens. Colombiens. Bienvenue. Vous vivez où? C'est Paris. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et moi, je suis danseur et professeur de danse. C'est vos étudiants? Oui. C'est nous. Je suis danseur et journaliste. D'accord. C'est, en termes de crédibilité journalistique, c'est vraiment... Non, c'est bien. Vous dansez ensemble depuis combien de temps, les copains? On danse depuis des presque 12 ans ensemble. Ok. 12 ou 2? Ah oui, Ok, 2, ok. Uno, dos. Ok, dos año. Ok, très bien. Vous êtes ensemble? Vous êtes des amoureux? Non. Non, d'accord. Non. C'est comme mon petit frère. Ah, c'est ton frère, ok, d'accord. Donc oui, en effet, ça serait pas très... Non, ça serait en termes... Non, ça serait pas bien. Et donc, j'ai envie de voir ce qui va se passer. J'ai vraiment hâte, je suis curieux, je ne sais pas. Et c'est assez rare. C'est à vous de jouer maintenant. Merci beaucoup. Merci. Jamais joué à ce jeu dans ma vie de la même manière. Et je trouve ça sympa, vous avez inventé un peu une touche accélérée, c'est vrai. Parce que ça, c'est la caractéristique de la salsa colombienne. Oui. La vitesse de jambe. Franchement, j'ai aimé. Franchement, j'ai trouvé intéressant parce que Lolito, tu es plus grand et un peu plus lourd que Ronald. Je suis Mario. Et oui, tu es Mario, c'est ça. Et pourtant, c'est toi qui fais la majorité des figures portées, c'est toi qui es en dessous. Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez étonnant. Il est plus fort. Il est plus petit et plus fort, c'est extrêmement rare. Et c'est la fête dans ma tête, dans mon corps, dans mon cœur. Évidemment, vous nous donnez un côté original avec ces costumes et tout ce petit clin d'œil au jeu. Mais moi, ce que j'ai préféré, c'est vos cadences latines avec vos jeux de jambes. Ça m'a donné envie de danser. Vous avez la banane, vous arrivez avec ce sourire, vous le gardez jusqu'au bout. Il y a eu des petites imperfections dans les figures, de ça, mais je m'en fiche en fait, voilà. Merci. Moi, c'est mon enfance, la salsa. Non, non, mais les Mario Brothers, on a tous joué ça comme enfance, c'est dans notre tête. Donc, on voit cet hommage et on se dit, oh non, s'il vous plaît, ne gâchez pas ça. Au début, j'ai dit, il va falloir que je leur lance des tortues. Mais finalement, j'ai aimé, j'ai adoré ce que vous avez fait. Et vous bougez vite, vous n'êtes pas des fonctionnaires, ça c'est sûr. Je pense qu'ils ont pris aussi beaucoup de champignons. Dans la France, un incroyable talent. C'est ma deuxième saison et on a vu beaucoup de danse, particulièrement cette année. Et beaucoup de gens aussi qui ne faisaient pas de la danse, mais qui venaient costumés comme vous. Mais derrière, malheureusement, il n'y avait aucune proposition. Vous, je trouve que ce que vous proposez juste derrière, une fois qu'on a entendu les petits sons du jeu, c'est une vraie proposition de danse. Vous avez enchaîné les pas avec une virtuosité. Derrière, on avait une bande de folles furieuses. Voilà.
C'est notre famille ici, parce que notre famille est loin. Ben, la famille peut être fière ici et celle de là-bas aussi, parce que vous avez vraiment très bien bossé. Alors, on passe au vote. Un, deux, trois, oui! Merci beaucoup à tout le monde. Ça fait 4 oui, on vous retrouve aux délibérations. Merci d'être venus les amis. Bravo.